Alors, bienvenue pour Onimusha. Ah. Je pense que pour moi, c'est la meilleure franchise de la PS2. Hein. C'est largement la meilleure franchise pour la PS2. De la PS2. C'est pour avoir le succès du niveau 50, d'accord. On va faire ça jusqu'à ce que Resident Evil 2 sorte, je pense. Donc on a une dizaine de jours, à peu près, moins les week-ends. Donc je crois qu'on va rester sur Onimusha pendant un moment, le temps de tout finir. Il y a beaucoup de choses. C'est un peu comme un Devil May Cry, en fait. Je crois qu'il est sorti dans la même année, ou par là. Ou peut-être avant Devil May Cry, peut-être. Ou après, je sais pas. Un des deux. Mais ouais. Meilleure franchise de la PS2, en tout cas, pour moi. Ça, c'est mieux que les Devil May Cry, je trouve. Je sais pas, j'ai toujours eu un faible pour le Japon et les samouraïs. On y va. Facile ou normal? Ça se voit que c'est les vieux jeux. Parce que maintenant, t'as facile, normal, difficile, extra difficile, extrême difficile. Parce que les jeux sont super faciles. Mais avant, t'avais que normal ou facile. Parce que normal, tu sais que tu vas en chier. Et tu vas en chier un max. C'est parti. On a mis les voix en japonais. Elles ont été toutes refaites, les voix, je crois bien. Il y a eu pas mal de choses qui ont été refaites. Je referai un tour sur Red Dead Online, éventuellement. Ouh, la menthe religieuse. Elles sont trop stylées, ces cinématiques. Yeah. Je continue à dire que la meilleure époque pour les jeux vidéo, c'était la PS2 pour moi. Maintenant, il vient d'être remasterisé, le jeu. Il n'est pas sur émulateur. Il est sur Steam. Dans un sens, c'est à cause de Onimusha que j'ai eu du mal à apprécier Nioh au début. Enfin, surtout la bêta. La bêta de Nioh était... avec les armes qui se détérioraient et tout ça. Après, ils l'ont enlevé, ça, cette mécanique de détérioration des armes. Le jeu principal était beaucoup mieux, mais... Non, Nobunaga. Je voulais que Nioh soit comme Onimusha, mais c'est pas la même chose. Et au final, Nioh est très très bon, hein. Je kiffe Nioh. Mais c'est juste que, voilà, le faible pour Onimusha. J'espère qu'ils vont remasteriser les deux autres. En tout cas, du 1 au 3. Après, le quatrième jeu, j'y ai pas vraiment joué. J'ai pas vraiment aimé, en fait. Ouais, faudrait faire pareil avec les Heartbreak. Ouais, vu qu'ils sont que sur PS2, exact. Avec
une connexion peer-to-peer, du coup. Comme ça, on n'a pas besoin de serveurs parce que les serveurs ont été fermés. Et puis, il n'y a plus personne qui a des PS2 de toute façon. Mais, oh, la bestiole. Ah, les musiques ont été toutes refaites aussi. Franchement, c'est un très très bon remaster, hein, comparé à genre Dark Souls remaster. Celui-là, il y a toutes les voix qui ont été refaites, il y a... Bon, bien sûr, c'est en HD maintenant. Mais les musiques aussi, elles ont toutes été refaites. Genre les voix, elles ont été recastées, quoi, pour un jeu qui a... Il y a 10 ans, plus de 10 ans. C'est abusé. C'est énorme. Oh. Ani no kotoku, oshitai moushi sourou, Samanosuke-sama. Onegai no koto, kore ari. Ippitsu moushi mairase sourou. Inabayama-jou wa norowarete sourou. Yona-yona ayashiki mononoke ga haikai shi sourou. Jochu kinju. On raconte que les monstres dévorent les domestiques et emportent leurs restes dans les souterrains. Pour le moment, c'est simple, on doit aller aider Yuki. C'est tristesse, bienvenue. Samanosuke-sama. Kochira desu, Samanosuke-don. Ime-sama o Honmaru ni tsure satta to shita, michi wa 2 tsu shika kangae raremasen. 今は使われていない百馬街道、もしくは北側の大手道です。楓、俺は北に行く。お前は向こうから回ってくれ。分かったわ。Ah, les bons graphismes. Les bons graphismes PS2. On a les contrôles modernes. Dire qu'avant on jouait comme ça, quoi. Tant de contrôles, c'était énorme. Et maintenant on a ça. Ça fait bizarre à chaque fois. Oh. Alors, comment on joue? Ok, fais pas attention à moi, garde. Comment on range le katana? C'est une carte. Okay. Le katana Akechi. Un sabre traditionnel utilisé par les samouraïs du clan Seto. Le katana fétiche de Samanosuke. Armure traditionnelle de samouraï. On a des herbes. Un peu comme... C'est très Resident Evil, en fait. C'est Resident Evil au Japon, quoi. Hein. C'est vraiment... Il y a des puzzles, il y a des soins avec des herbes, des trucs comme ça. Il y a des différentes armes, armures. Mais si, on s'amenonce que sauver la princesse Yuki. Il y a quoi, là? Ah oui, Kaede est parti par là-bas. Ok, ça marche. Voilà comment fallait faire le RE2 avec les caméras fixes. Yuki! Yuki! Je...
Il change un peu. Il change un peu. Il change quand il veut en fait de cible. Ça c'est un peu relou par contre. Alors que je regarde ça dans les. Dans les contrôles, ça fait longtemps. C'est mon petit bienvenu, ami samouraï. Yugi-mi. Samanosuke. Yokatta. Yappari kite kureta no desu ne. Et voilà, c'est la fin. On l'a sauvé. Nani ? Samanosuke ! Wasted. Il y aura peut-être des mods pour Resident Evil 2 avec des caméras fixes. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de mods pour le nouveau Resident Evil de toute façon. Samanosuke, Samanosuke, me o samase Samanosuke. Ima no nanji de wa genma o seisu koto kanawa. Nanji no tame ni ware ra no chikara wo sazuke yu. Ware ra wa genma ni horobo sarishi oni no ichizoku. Samanosuke, genma wo taoshi, tamashii wo sou kote ni fuji yu. Un clan qui fait que jouer à Oxygen Not Included. Mon dieu. Kore wa... Samanosuke... Genma o horobosu no da. On a un super gantelet maintenant. Ore ni bakemono no chikara kureru tte iu wake ka. Kono kote de ude ga hikichigireru made tatakai tte. Oh. Samanosuke est déterminé maintenant. Alors absorber les âmes. Type d'âme, augmente la puissance des orbes, plus objets, bleu, restaure le pouvoir oni, jaune, restaure la vie. On a des attaques magiques maintenant, on peut améliorer. Et hop là. On absorbe. Sauvegarder, oui. Sauvegarde terminée. Vous savez, sauvegarde comme elles vont vite. On n'a pas de. On n'a pas la première arme encore. Et maintenant, on peut tuer les démons. On peut absorber leurs âmes. Gardez-moi ces. comment dire. Ces écrans. En 2D pré-rendu de la bonne vieille époque de la PS2 pour économiser la mémoire. C'est. C'est énorme. Il y a bien ce DLC japonais de Devil May Cry, non ? Ouais, il est pas mal. Ouais. Ooh.
Oups. Merde! Putain, désolé. J'arrête pas d'appuyer sur... Je sais qu'on peut les énerver quand on absorbe. Ouh! Arme fatale. Quand on fait ces attaques-là, je sais plus comment elles s'appellent, ces attaques. C'est des attaques éclairs. Ça one-shot, en théorie. Ou alors ça fait extrêmement mal, mais c'est assez dur à faire. Je crois qu'il est mort. Dépêche-toi. Bakemono. On va essayer de le refaire. Vas-y, énerve-toi. Wow. Tueur de démons. Par contre, faut que je regarde. Y'a pas un moyen de lui dire d'arrêter de changer de cible automatiquement? Ou alors c'était comme ça avant? Acte de bravoure. Ah, c'est les... C'est les succès. Succès du jeu, on peut les avoir en jeu. Enfin, on peut les voir en jeu, dirions. Tu es un démon avec une attaque spéciale, c'est ça, c'est ce que j'ai eu là. Attaque fatale. Ah, ok. Non, c'est peut-être normal qu'il change de cible comme ça. Constamment. En fait, il change de cible quand quelqu'un est à terre, c'est bizarre. Omaera. Wari, honto ni moshiwaki nai. Omae tachi, ittai dou shita nda? Aitsura doko kara tomo naku arawarete osoi kakatte kiyagatta. Kono bun da to Honmaru mo teki ni osowareteru kamashiremasen. Honmaru wa kono saki ka? Hai, soko kara nobiru rindō ga Honmaru e no chikamichi desu. Wakatta. Ils en peuvent plus. Ils ont massacré mes compagnons un par un, je n'aurais jamais imaginé que cela se termine ainsi. Nous avons barricadé les portes à la deuxième enceinte, mais les monstres n'auront aucun mal à les franchir. Messire, dépêchez-vous de sauver Yuki. Aidez-nous, ce monstre à deux cornes. Oh, la chauve-souris! Vous avez vu? Ça faisait peur, hein? Elle était super bien faite en plus. Y'a rien à récupérer de toute façon. Non. On a le demi-tour. J'aime même parce qu'on a encore le demi-tour. Bah, qui sert plus à grand chose. Oh, y'a une plante là. Qui sert plus à grand chose de nos jours, vu qu'on a ce système de gameplay. Ah. Ce jeu est dur. Mais quoi, la carte? Je vais même pas regarder, putain de merde. J'aime ce qu'il a. Ouais, on a même pas besoin de cibler en fait. Il cible automatiquement. Franchement,
Le gameplay est vraiment cool. Le gameplay aide quand même pas mal. Pour combattre. Comme ça, c'est pas la merde. Il faudrait que ce moine momifié gardait ce temple. Il y a un parchemin vert, le prendre. Note de Sogun. Au brave qui trouvera et lira ce document, fais le vide dans ton esprit et concentre toute ton attention sur mes paroles. Il existe un gantelet forgé, on l'a déjà parlé, Oni, ceux qui n'arrêtent pas de jouer à Oxygen Not Included, qui tire sa puissance de l'âme vengeresse de ceux qui ont péri par la main des démons. Maîtrise ses secrets et tu jouiras du pouvoir considérable. Souviens-toi, sans le pouvoir des Oni, tu ne seras pas de taille contre les démons. Merci. Ah, comme ça on récupère de la vie. Sérieux. C'est un dragon. Oula. Soumi Oni. Un homme. Vous également. Vous également. Non. Vous. Ça sert à quoi ça? Petit Pierre, la lueur étrange. Cet objet que vous êtes maintenant lorsqu'il est dans votre inventaire. D'accord, ok. Il y a des secrets partout dans le jeu. Il y a des pots. Comme là. Comme dans... Zelda. Mémoire, page 1. Maître Sugun et moi avons suivi le monstre qui enlève les habitants de la ville jusqu'à cette crotte. L'endroit est un véritable nid de démons. Tous les types de monstres imaginables s'y trouvent, sans compter ceux dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Ils s'appellent eux-mêmes Genma. Au passage, il y a déjà eu un Onimusha remaster dans un sens qui est sorti sur Xbox. En fait, c'est une autre version qui est sortie sur Xbox. Il s'appelait Onimusha Genma, je crois. Il déteste la lumière du jour et semble avoir toujours vécu sous terre, avant même l'apparition de l'humanité. Mon maître est résolu à pénétrer dans cette grotte. J'ai confiance dans sa capacité de repousser ses démons. Armé de ma foi et de mon courage et de mon modeste talent de dessinateur, ça n'a pas trop aidé. Je ne crains pas d'affronter les monstres. J'ai donc l'intention... de consigner tout ce que nous avons découvert au cours de cette explosion. Je crois que nous allons écrire le livre le plus incroyable de l'histoire. Same Mew. C'est vrai que les images... C'est con, on peut pas voir les images sans les écritures par-dessus. Tu sais, les dessins sont vachement classe. Orbe de foudre. Ouh. Ha ha. Ouh, là, il fait des clins d'œil maintenant. Alors, nous avons récupéré le Ryzen. Un orbe élémentaire de foudre permet d'utiliser le Ryzen, le sabre de foudre. Ça, c'est le coup éclair. Oh, les puzzles! Oh putain. Yes. Échelle de corde. J'ai froid aux pieds à chaque fois que je vois les chaussures de l'époque. Bon, on a pareil, on a les sandales maintenant de nos jours. Ouh.
Pierre bleue qui augmente la puissance Oni. L'utiliser, oui. Oula, sauvegarde avant. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Quel est le clan soumis par les démons? Le clan Oni? Quand on aura plus de, d'informations. Ou alors on regarde un vieux site qui a toujours la solution du jeu il y a 10 ans. Eux, ils sont simples quand ils attaquent en boule. Région sud. Merde. Oh la vache. Un peu étrange parce que quand il se met comme ça, en fait, c'est aussi les contrôles modernes, sauf si j'utilise le pad. Et à la limite, le pad est plus intuitif, en fait, quand on lock. Ça y est, on est au château. Impossible d'ouvrir cette part, elle est sûrement bloquée de l'autre côté. Wow, lâche! Merde! Il va falloir que je m'habitue au contrôle. Non, je l'ai loupé! Chier. Je vais me prendre une hache dans la tête. Je me suis pris une hache dans la tête. Je me fais défoncer, c'est bien. On a récupéré la tête.
Non, Manosuke. Merde. Faut le faire plus rapidement. Sérieux, mec. Le truc qui crève jamais, enfin qui revient à chaque fois. Ah oui, de temps en temps, on va rencontrer des mecs. Et si on les sauve, train train quotidien, j'ai eu un succès. Si on les sauve, ils vont nous donner des objets. Un monstre géant a détruit le mur. Il s'est dirigé vers le fond de la douve en emmenant la princesse. Là-bas. Ah. Faut aller dans l'inventaire pour utiliser les objets. Oh mon dieu, que c'est vieux. Tu vas faire un Getsuga, seuls les mangavores comprendront. Oh, la blague. Non. Du moins, je crois pas. Quel équipement fut forgé par le clan d'Eoni pour enfermer les âmes des démons? Le gantelet, mais comment tu... C'est quoi les signes du gantelet? On n'a pas assez de connaissances. On est trop stupide pour le moment. Mais il y a des waifus dans le jeu. Donc bon. C'est pas mal. Ah oui, on peut transformer les herbes en médecine. J'avais oublié ça. Et on peut augmenter aussi les armes. Oh putain, ça utilise une barre. Ok. Non! L'a-t-il mangé? Boss time. C'est un peu dur en fait avec les caméras fixes d'avoir des contrôles modernes. Parce qu'à chaque fois ça change la direction en fait. Oh putain. Allez, on le fait sans soin. On le fait en hardcore. Il est énervé. Non, j'ai bloqué. Encore que j'ai récupéré
le soir. C'est Brosa, bienvenue. Ouh, maintenant à son tour de nourrir les rats. Whoop. Mémoire page 2. Je suis un lâche et un misérable, incapable d'indigne de la prêtrise. Mon maître a été gravement blessé au cours de l'affrontement avec les démons. Je n'ai rien pu faire. Je n'ai pas pu sauver mon maître. Il m'a demandé de le transporter jusqu'à l'entrée de la grotte et ensuite a accompli une cérémonie rituelle pour se sacrifier. Avec ses derniers pouvoirs, il a érigé la barrière magique à l'entrée de la grotte pour empêcher les démons d'en sortir. C'est sûrement les boules. Mon maître m'a remis un document et une pierre précieuse m'a ensuite ordonné de quitter la grotte. J'ai vécu là le moment le plus humiliant de mon existence. Je me suis senti soulagé de quitter cet endroit maudit. J'étais trop heureux d'être en vie pour me soucier de ce qui adviendrait de mon maître. Je ne pouvais penser qu'à moi. J'ai du mal, je suis fatigué. Plus tard, j'ai dissimulé le document et la pierre et je suis revenu à l'endroit du sacrifice de mon maître. Je sais que je n'aurai jamais sa force de caractère et il ne me reste qu'à apprendre tout ce qu'il est possible sur les démons et d'offrir ce journal en témoignage de mes découvertes. J'essaye de regarder l'image en fait derrière, elle est bizarre l'image. Ça n'a pas l'air d'être fun. Ha! Regardez-moi ces squelettes. Ça fait peur. なんだ、人間か。てめえもゲームか。大した口の利きようだ。お前のような威勢のいい奴に会うのは信長以来だな。信長?いい方教えてやろう。桶狭間で死んだ織田信長を蘇らせたのはこの私だ。 les tentacules. On va s'amuser là. Oh, il y en a deux. Yeah. Là. Orbe de feu. On a le pouvoir du feu maintenant. On entre en mode entaille.
évidemment, évidemment, ça se passe au Japon. Faut bien qu'à un moment, ça parte en live. Je sais pas s'il y a un moyen de... Oh, yes, yes. On peut changer... Oh, mais c'est énorme. Je sais pas si ça existait dans la version normale. De pouvoir changer d'arme comme ça rapidement. Je suis quasiment sûr que ça existait pas. Quasiment sûr. Parce qu'on peut pas le faire quand on court, ce qui est marrant. Là j'appuie sur la touche mais ça veut pas changer d'arme. Faut que je m'arrête en fait pour que ça change. Il y en a d'autres. En fait, il y a plein de trucs qui marchent pas quand je cours. Je peux pas absorber aussi, faut que je m'arrête. Bizarre. Non! Yes! Fou! Eux, ils multiplient, si je me rappelle bien, ils multiplient les âmes par 2, grosso modo. Mais au bout d'un moment, ils disparaissent, en fait. Donc, faut les tuer avant qu'ils disparaissent. Là, on a eu énormément d'âmes, c'est cool. Il y a plein de super mécaniques dans le jeu, j'adore. Super fun. Méga fun. Et dans la version améliorée qui était sur Xbox, on peut se transformer en esprit Oni ou un truc comme ça. Et ça c'était dans le Onimusha 2, c'est à partir du 2 qu'on pouvait faire ça. Mais il l'avait mis dans cette version là. Ah putain. Maintenant on a le pouvoir du feu, on va pouvoir ouvrir les portes de feu. Je... Hop là. Oh putain. Non ! Mes âmes ! Putain, fais chier. Je vais jouer avec le pad en fait, c'est beaucoup plus simple. Quand je cible. C'est pour faire ces attaques-là, là, genre les attaques piquées. C'est qu'il faut faire avant. C'est beaucoup plus simple de les faire au pad que au contrôle moderne en fait. Genre ça là. Merde, mais fais chier. Feu.
Ouh. Le manoir de Resident Evil. Non, il est mort. Je crois qu'il y a un truc de sauvegarde pas loin. Ah putain. Ça fait plaisir de revoir un jeu à la Resident Evil. Yeah. On devrait pas être là, je crois. Pas encore, du moins. La salle de sauvegarde est de l'autre côté, je crois. Putain, le fait de changer d'arme quand on veut, c'est énorme. Ça nous... ça évite d'aller dans le menu toutes les 5 secondes, en fait. Font super mal les monstres quand même comparé à un jeu normal, enfin jeu maintenant quoi. Ça fait déjà une heure, waouh, temps passe vite quand on s'amuse.